Question importante, MSI 2070 ou Asus 2070? Je dirais plutôt MSI, moi. Oui, attends, deux secondes, on appelle. Ah, plutôt MSI, moi, je te dis. Oui, attends, deux secondes. Oui, MSI, non, Asus, c'est de la merde. Oui, allô? Oui, c'est lui-même. Oui. Le directeur commercial de... d'Asus? Ouais. J'adore vos produits. Ah non, mais je tenais à vous le dire en toute honnêteté. Et ça me fait extrêmement plaisir que vous contactiez la Salty Academy pour qu'on devienne partenaire. Ouais. 300 000 euros par mois? Ouais, c'est un peu light hein, par rapport aux autres partenariats qu'on a. Alright, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Alors, ma performance était bonne. Non, c'était de la merde. On va sur qui? Va sur Vlad. Ok. Vlad. Il est LFT en plus. Comme ça, il peut peut-être se faire connaître. Vlad, c'est peut-être le prochain joueur du Six Invitational. Dans un an, Vlad, il est recruté par Liven. Quand on aura eu marre de Renshiro. Parce que Renshiro parle trop. Renshiro, il a beaucoup de qualités, mais il parle trop. Déjà, vous le voyez sur Twitter. Aujourd'hui, encore un Stropole. Enfin, un truc là, comment on appelle ça? On appelle ça un sondage. Putain la vache. C'est chiant quand t'as les pruneaux qui collent. Moi je dis pas les pruneaux, je dis que les bonbons collent au papier. Ah, c'est beaucoup plus classe. Ok, la caméra elle est foirée, je pense moi. Mais on met des petites caméras à l'extérieur, pourquoi pas. Les petites caméras elles étaient pas trop mal là où il les a mises. J'ai pas vu où est-ce qu'il a mise là. Ah oui, d'accord. Why not? On dévend pas le VIP, j'aime pas. Ou à la limite, on vient faire chier les mecs qui vont rentrer dans le VIP en le transformant un petit peu l'aquarium en une safe zone. Aquarium billard. On essaie de counter, de counter la possibilité que des gens puissent y rentrer là-bas. Et après, on vient faire. On met le VIP avec pourquoi pas un jeu sur la verticalité positive en dessous au niveau de la kitchen avec un pulse, pourquoi pas. Soit on défend à mort le VIP, soit on les laisse rentrer. Et on en fait un petit peu leur tombeau. Voilà, ouais, ça c'est des strats de ranked, hein. C'est pas des strats. Mais ça passe. Welcome. C'est du classique. To the Salty Academy. Merci infiniment, Rex. J'ai hâte de passer ici pour faire un petit chose. Oh. Ah bah c'est chez Vlad. C'est chez. Bon, il a mis. On va rester pas sur la Macarena parce que c'est Mary. Hein. Déjà, je le vois très bien, donc ça me... Personne n'a envie de le voir, on est d'accord. On va rester sur le. Voilà. Voilà la note de la Valkyrie. J'ai mis 12 pour les belles cams, mais elle s'est fait sécher. Elle est sortie en même temps, c'était pas si mal, hein. Le move était pas si con. Bon, après, normalement, le main est souvent défendu, quoi. C'était quand même un move très EV-. Moi, j'essaie. Y a que les vieux qui comprennent EV- parce que je n'utilise plus cette machine. Mais c'est pour toi, Liv. EV-, tu connais. Ça me fait plaisir. Allez, je vais regarder notre prochain match. Bon live poulet. Bisous Livan, merci à toi d'être passé mon poulet. Et encore GG, NC c'est pas rien. C'est dire le niveau que ça met à votre équipe quand même. Ça veut dire bah bim quoi. Vous commencez à taper du niveau Pro League. Et du niveau Pro League qui gagne encore. À la limite si NC avait perdu leurs deux premières games, bah tu dis ouais bon, bah, c'est du niveau Pro League qui est challenger en fait. Mais en fait non, il gagne. On a ouvert hein, c'est pas si mal l'attaque. On prend la ligne en mode support. Pas besoin de plus, on entend une impact, attention, à droite. Impact à droite, pourquoi tu perds ta ligne? Y'a rien qui va se passer ici. Ouais, bon, on tire au niveau de la tête, on est propre. C'est un peu lent tout ça quand même. Ok, heureusement que Bois fait le kill. Mais le taf est fait, le taf est fait. Le décalage à gauche était pas énorme, mais le taf est fait. L'Aibana. Moi je mets 13 à l'Aibana, je sais pas ce que vous mettez, bon. Silencieux, pourquoi pas, en mode je... voilà quoi, je vais me débarrasser des cams. C'est bien, hein. Sur coastline ça se fait hein, de counter une petite Valkyrie. De counter une petite Valkyrie, oui je vais y arriver. Peut-être pas obligé de repère, mais... Ouais, voilà, ouais, c'est pas mal. Ok, on a vu qu'il y avait un éco drone ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? On a un drone, c'est on a un drone, je répète. On a un drone, c'est une feature de Rainbow Six. Ça sert avant de décaler.
Moins 1000. J'ai mis moins 1000. Ouais, je mets les notes que je veux de toute façon. Donc, moins 1000. Pas de drone sur Rainbow Six pour décaler une salle qui est en N plus 1. Arrêtez de jouer au jeu. Drone, putain. T'avais juste à balancer ton drone sous la petite porte devant toi. Au moins pour prendre l'angle, quoi, de savoir ce qui se passe. Ne faites pas ça, les gars. Si vous jouez à Rainbow Six sans droner, arrêtez de jouer. Ou alors commencez à droner. Ouais, la Macarena. Mary est en face. Mary dans les... chez les gagnants. Et ça, c'est assez rare pour être noté. Moins 1000 sur 20, tu retournes jouer dans le bac à sable. Moins 1000, c'est retour sur Fortnite, direct. Ouais, moins 1000, moins 10 000, je pense, pour Fortnite. Hein. Faut vraiment être au niveau, vraiment... Tu vois, vraiment tout en bas, quoi. Là, moins 10 000, t'as entre 8 et 11 ans, tu vas sur Fortnite. Parce que, bah, de toute façon, c'est le seul jeu que papa et maman aiment, parce que, haha, il y a des couleurs. Excellent. C'est pour ça qu'il y a tellement de joueurs sur Fortnite. Hein. Cherchez pas, c'est pas parce que le jeu, il est bien. Hein. C'est pas parce que c'est un Battle Royale, c'est pas parce qu'il est bien optimisé, c'est pas parce que Epic Games a fait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année. Non, c'est juste parce que papa et maman l'autorisent, c'est tout. Alors essayons de le noter par rapport à son grade. Ok, ne soyons pas trop méchants. Il est bronze. Donc essayons de le noter par rapport à son grade. Donc déjà, pour le moment, petite ligne, ça c'est propre, il reste sur site. Le mec est bronze. Il a 2 kills. Là, il est en train de tout donner, là, gars. Là, c'est le Six Invitational de sa vie, là. Décalage propre. Crosshair un peu mauvais, bien évidemment, et approximatif. Mais il est bronze. Donc, pour le moment, il part avec quand même un bonus. Le heal sur le pulse. On est doc tout de suite. Est-ce qu'on peut heal le pulse? Il faut que je regarde ma vie. Hein. Je suis un peu un healer comme dans World of Warcraft. Faut que je regarde les barres de vie. Ça aide quand même. Après, les défenseurs eux-mêmes peuvent dire « Hey Doc, machin ». Mais ça, c'est important. Parfois, les gens oublient qu'il y a un Doc dans la composition. Pas mal, ça! Boum! Dans ta gueule! C'était qui en face? Eh ben, bam, fantôme! Tu n'es plus que l'ombre de toi-même! Fantôme, c'est pas ça. Pardon. Eh ben, voilà, le bronze! Ah, déjà, lui, il part. Déjà, là, il est au-dessus de Pengu. Hein. On va taper le 16, là. Les décalages sont pas mauvais, c'est pas mauvais ce qu'il est en train de nous faire là. Ça c'est un mec qui doit pas être bronze, s'il joue comme ça. Ou alors parfois il joue avec ses potes un peu bourrés en fin de soirée, ça arrive. Petite ligne à la mairie, tranquille. Son pote joue avec lui visiblement, lui met un petit coup dans le fion, ça c'est pas normal. Lui on voit le kick de toute façon, donc on l'a vu, hein, c'est Pinta 6-4. Pinta 6-4 qui fait de la merde. Allez, le heal bien évidemment. Alors, aurait-il fallu heal ou aurait-il fallu down plus heal? Vous avez 10 minutes. Alors, si je fais mes mathématiques... Alors, attendez, je vais vous donner les mathématiques. En fait, si vous downez, vous enlevez 75%. Et si vous downez pas, vous enlevez 90%. C'est une bite, ça n'a rien à voir. Pas tout à fait. Bon, bah le doc. Alors. Je lui mets la note. De 16,5. Ça, c'est un bon doc. Il a heal, il a kill, il a... J'ai pas de truc en heal. C'était facile. Voilà. Attends, je me mérifie. Okay, bois. Oh bah, bois... Visiblement, je sais pas. Hein. Pour le moment, écoutez bien. Parce que celle-là, elle est assez marrante. Pour le moment, c'est lui bois, mais c'est H qui mange. Excellent. T'as pas rigolé, toi. Ouais, t'es bien. Y'a un mec qui est down. Allez, l'info, on la donne. Y'a un mec qui est down, la Macarena, vas-y, tu peux y aller. Balance tes smokes, Mary. Les smokes montagne pour ton glaze. Si tu prends le combo glaze plus smoke, balance... pardon. Montagne plus glaze, balance tes smokes. Voilà, c'est ça, on a deny le Jagger, on attendait pour deny le Jagger, c'est bien, bois, c'est un monstre. En revanche, là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Oh là là, s'ils se prennent un C4 là, oh là là, ça va être la mort. Oh là 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 là. Bois qui est en train de tout donner, qui se fait défoncer. Et on voit rien, et on voit rien, et derrière, ça veut planter vite, mais ça veut rien faire en fait. Oh là là, et Toreken là, le. Il fait son taf le petit là, on va rester sur lui, c'est tellement beau. Contact à droite.
Toreken, les mecs. On va lui remettre un 16. Bois, on n'a pas trop vu. Hein. Bois, Ouais, bah, bois, bah... Il a mangé. Ouais, bah, du coup, ça fait deux fois un peu la même blague. C'est vrai que c'est pas ouf. On va pas se mentir. Pff, je peux pas noter. Je ne note pas. Non, pas de notes. Pas de notes. Pas de notes. Voilà, ça s'écrit comme ça. N-O-H-T. On va sur qui? Pinta, Pinta 6-4. Putain, fais chier. C'est toujours le même. Ça raconte trop. En plus. Ah, vous me direz. Moi, je vais. Je me casse. Ouais, je le vois tout le temps. Lui. Non, je rigole, je vais pas. Non, je rigole. Je... Orlé, va me chercher une bière. De l'eau. Non, je peux pas redire de l'alcool en stream, je crois. Ouais, ouais, j'y vais, ok. J'arrive. Walking back. De l'eau, oui, bien sûr, de la même voie. Il a fait quoi? Il a fait des trucs bien ou quoi? Nice move. Okay. C'est à force de parler de bois. Bien ça. Oh, elle est bien envoyée. Elle est bien envoyée, j'aime bien. Sur la petite arête pour que tac tac, elle rebondisse pile au milieu. Voilà, ça c'est une belle goût. Ah, rien que pour ça, je vais lui mettre 18. Le mec, pas du tout objectif. L'eau des chiottes à la paille, y'a rien de mieux. Ouais, mais grave. Et d'ailleurs, on a bronze qui fait le kill. Bronze contre bronze, hein. Vous avez compris la blague. Levez la main. S'il a pas 20, c'est que c'est un imposteur. Oh, je sais pas s'il est atteint de nanisme. J'ai envie de faire des blagues ce soir. Hein. C'est le teacher, je vous apprends des blagues en fait. C'est un bon roamer ça. Ça j'aime bien ça. L'angle agressif là comme ça. Là. Ça c'est le bon roamer qui te fait bien chier quoi. Et quoi de mieux qu'un lésion qui fait chier? C'est quand même la définition du lésion quoi. Te faire chier quoi. Hein. Le vache demain. Oui j'ai. Petit potato. Oh là là. Oh là là. Oh il l'entend. Oh il l'entend. Oh, il l'entend. Et derrière, les attaquants ne font rien du tout. Là, 30 secondes, et il y a une logique pour attaquer sur site. X-Tromizer, quand même, qui arrive à faire un kill. L'arbre qui dépasse, et le kill facile, bien sûr. Pff, oh, la ligne saillante, là. Il est bon, ce petit, là. Il est bon. Pinta 6-4, faudra retenir. Ça peut être un pseudo qui peut cartonner, ça. Je vous le dis, ça peut être le meilleur joueur du monde, peut-être. Oh, c'est possible. Pourquoi l'impact grenade? Ça se joue en dessous de toi. Ah ouais, t'aurais dû surtout jouer l'impact grenade pour essayer de défoncer le mec qui va poser la bombe au cas où il posera la bombe. Derrière, on a connecté qu'un C4, on va être gratifié d'une petite kill cam. Voilà, le C4 où est-ce qu'il part? Hop là, il est beau. Bam, tu sautes. Bien joué, là, ce qu'elle a fait lâche. Notation pour le lésion. Pattern 6-4. J'ai mis 17. Moi j'ai mis 17 personnellement, c'était bien joué, on voyait, il y a du roaming, il y a une vraie notion de faire chier les géants, etc, etc. Pas plus parce que, bon, c'était pas non plus exceptionnel quoi, on va pas non plus faire la bite pendant des heures. D'ailleurs en revanche je peux aller mettre une tête. En revanche quand les mecs balancent des gros pré-shots comme ça, et que tu les entends pas marcher derrière, c'est qu'ils sont en rappel. Alors j'ai pas vu s'il est en rappel, mais c'est souvent le... Oh, on s'est fait voir, sans voir justement, tu l'as vu. Donc tu sais qu'il t'a vu, ce qu'il a arrêté. Voilà, petit pré-shot, pourquoi pas. Attention, grenade quand même, t'as entendu un mec de dégoupiller. Voilà, tu te barres. C'est bien, c'est bien. T'as fait perdre du temps, t'as fait chier. C'est pas grave, t'as perdu un petit peu ton challenge, mais ton duel, mais c'est pas grave, ça le fait, ça le fait. C'est quoi un replay? Non, je suis toujours là. Hein, c'est le teachers, point d'exclamation Discord. Et en fait, on note les étudiants de la Salty Academy. Les étudiants ou les pas étudiants. Mais les étudiants ont la priorité, on va pas se mentir. Oh, la petite ligne. Et derrière, on va donner l'information, forcément. Que ça ouvre avec le termite. Ça connecte. Oh, tu l'as eu. Tu l'as eu. Tu l'as eu. T'aurais pu la finir, je pense. T'aurais pu la finir. Ouais, t'aurais pu même la finir tranquille. Elle n'avait pas le temps de se barrer. Après, c'est vrai qu'on avait l'info. Sur le coup, on ne sait jamais. Ah, les petites lignes comme ça. Ça, c'est bien, ça, les gars. D'être très agressif sur des lignes. Allongé, hein. Allongé. Si on parle de crosshair placement, le parfait anti-crosshair placement, c'est d'être allongé. En défense, n'hésitez pas à souvent vous les allonger quand même. Hein. Ah, tu sais où il est. Oh, c'est pas mal les petits décals là de bronze NTH là. C'est propre ce qu'il nous fait. Là, il va pas passer devant les trous parce qu'on voit à travers les trous. Quand il y a plein de trous comme ça. Ouh, attention quand même. Attention quand même. Oh, le double kill de la part de Mary. Tranquille.
Et derrière c'est fini, il reste plus que le Blackbird qui attaque de l'autre côté, on sait pas vraiment pourquoi. Non si, c'était pas si con à la limite. Mais il va se faire défoncer. C4 30 secondes. Ah ouais, le mec récupère son truc carrément. Ouais là, il sait qu'il est noté. Oh le... Sur le diffuse. Tes lésions sur le diffuse. C'est le seul endroit où t'es absolument certain qu'il viendra. Ah merde, j'ai pas vu qu'il en restait un. N'oubliez pas de faire ça. À un moment, si vous récupérez vos lésions. Sur le diffuse, s'il reste le diffuse. Vous en mettez plein autour du diffuse. C'est le seul endroit où vous êtes absolument certain qu'il va devoir venir. Sauf s'il vient dans une logique de vous faire, de vous tuer. Dans ce cas-là, vous vous protégez avec à des endroits. Donc voilà. Donc après, vous pouvez le mettre à la porte où vous pensez qu'il va arriver, etc. Ça, c'est sûr. Mais le diffuse, c'est l'endroit où tu sais qu'il va marcher dessus. Et si tu le mets sous le diffuse, il ne le verra pas. Donc très bien lésion, c'est quand même pas mal, je lui mets la note, moi, dites-moi combien vous lui mettez. 16,5, il a mis Boubou. Hein. Ah bah je suis d'accord avec Boubou. Moi j'ai mis 16,5 sur 20. Voilà, ça me paraît pas mal. On va sur qui? Mira, X-Tromizer, effectivement on l'a pas vu, ça me plaît ça. X-Tromizer il est à 4, 2 kills, ah mais malheureusement c'est celui qui a le moins de kills. Moins dans sa game. N'oubliez pas de faire pour l'exclamation YT, s'il vous plaît ça nous ferait extrêmement plaisir. Ça s'écrit en haut là-bas, regardez. Oui, 6-4. Dariel 6-4, c'est pour le Facebook, c'est sympa. Mais la Salty Academy, ça fait extrêmement plaisir, c'est 5 vidéos par semaine. On envoie le call qui est à montagne, hein, bien évidemment. Ça sert à rien de trop jouer le C4. Ouais. Ok. On a vraiment envie de pusher par cet endroit-là. Bon, cet endroit-là, je vais pas dire que l'autre endroit est plus simple, parce qu'il y a une certaine logique à avoir. Bim! Allez, Mary qui décale, c'est propre, c'est net. Mais en ranked, arrêtez d'attaquer cet endroit-là, c'est vraiment pas le plus simple. Attaquez plutôt l'autre côté, à partir du moment où vous avez pris le balcon, et vous avez, à la limite rentrez par derrière. À la limite rentrez par derrière et vous investissez coastline. Non, ça sert à rien ça, il a rien pris une montagne, voilà. Et vous investissez coastline par l'autre côté, c'est plus simple en ranked. Et vous arrivez au niveau d'aquarium, etc, machin, des mecs peuvent vous rejoindre et vous attaquez au niveau de aquarium, le petit bar là-bas tout au fond derrière la Macarena. Et vous posez devant le billard avec un montagne, ça se fait très bien, enfin à côté de la bombe en fait. Et c'est plus compliqué à jouer pour les défenseurs. Tu aurais pu prendre une ardoise magique. Ah non, c'était trop cher les gars, on a mis tous les fonds de la Salty Academy dedans, je vous l'ai dit, 5€. Donc doucement. Bon, lui, Extromizer, il fait son taf, hein. Il a pas grand chose à faire. De toute façon, tous les attaquants sont en train de se faire défoncer les uns après les autres. Et voilà, ça, c'est le montagne qui fait pas grand chose, quoi. Qui prend une porte. Ouais, mais bon, faut avoir une logique, hein. Faut pusher avec montagne, faut mettre la pression, faut faire décaler les gens. Si c'est juste pour se mettre en face d'une porte en se disant je suis invincible, bah ouais, ok. Mais derrière, reste plus que toi et tu meurs en dernier, comme tous les montagnes, en fait. Voilà. Eh non, c'est pas bon ça. C'est pas bon, sinon la Mira. C'est la Mira qu'on était en train de noter. Et où est-ce qu'elle avait mis ses Mira? Est-ce que vous avez mis ses Mira? Donnez-moi la note si vous savez où est-ce qu'elle avait mis ses Mira. Si vous ne savez pas où elle a mis ses Mira, ne mettez pas de note. Parce que une Mira qui met mal ses Mira, bah c'est pas une bonne Mira. Voilà. Donc on n'a pas trop vu. On n'a pas trop vu. Le lancer de C4 sur le montagne, c'est fini ça. Hein. Quand le mec est de face, voilà quoi. Moi je mets 14. Ok. Non, valide. Ok, lui. Déjà il a un skin épique sur glace. 3 points en plus. Prends pas des lignes de merde, là il va rien se passer. Prenez le top, il y a une logique, ça sert à... Bon, tu peux prendre des lignes, je veux dire, c'est pas mal. Mais commence à te faire des trous, fais de la merde. Ouais, wow, mets une tête. Voilà, c'est ça qu'on veut. Oh. Et Vlad qui fait le kill en plus. Oh, les défenseurs ils se font saucer, laver, nettoyer. Allez, montagne, avance un peu pour savoir ce qui peut se passer. Prendre un peu des dégâts, c'est pas très grave. Mettre un peu la pression. Faut faire bouger le... Oh, c'est bon, c'est propre ça. Faut faire bouger un petit peu le... Non, non, t'as smoke. Demande aux montagnes, pose. Pose et plante, c'est ça que tu dois faire. Enfin, planter. Ah ouais, c'est normal. Demande aux montagnes de péter les Jaeger déjà. Quand on se plante avec le montagne. Oh, le C4. Eh ouais, bah voilà. Quand on se. On le fait à la porte déjà.
ça plante, il reste qui? Il reste que... il reste que Mary. Mary en clutch. Oh, Mary va le faire, je le sens, les gars. C'est pour vous. Oh là là, quel... quel skill. Quel joueur. Allez, Mary. Ah non, il sait pas faire ça. Les clutches, il sait pas... Pourquoi il a regardé dans le coin, là? À quoi? Il y a quoi dans ce coin-là? En haut à droite. Mec, le seul truc que tu vas buter, c'est une araignée, là-dedans. Et ça ne compte pas. Les araignées ne comptent pas dans le jeu, Mary. Pourquoi il y aurait un mec là? Il faut aller décaler là, il faut aller plus vite, nom de Dieu, pour aller chercher l'info. Oh, il est relou quand il fait ça. Ne soyez pas Mary sur vos clutches, s'il vous plaît. Ne soyez pas Mary sur vos clutches. Glaz a fait le taf. Moi, bon, j'aurais mis 13,5. Mais avec un Glaz Elite, ça fait 16,5. Ah du coup ils savent que je, là ils vont level up, tu vois, déjà ils vont step up. Là tu vois, l'attaque va forcément se gagner ce truc là parce que il y a ce qu'on appelle le il y a ce qu'on appelle le 6-4 effect, quoi. Le simple fait que je sois là leur donne un élan de... Regardez, écoutez, vous allez voir, ça va être pro tout de suite. C'est de pas moi, c'est sûr. Ouais, ça m'arrive, appelle le mec 6-4. Du coup, ça va faire un peu bizarre parce qu'on va avoir l'impression qu'il parle à moi. Les yeux dans le couloir. Tranquille, TH poulet, tranquille. Arrête de nous donner ton code de sécurité sociale, on s'en fout en fait. Ah, ça m'a niqué. Ne piquez pas à sa ligne, vous allez tout le temps perdre. Non, mais il a pas pris la ligne. Ah. Là, là, il y a un maestro qui est derrière le canapé VIP. C'est Cade, c'est Cade. Ok, Cade, pardon, je me suis trompé. Cade, si tu veux le travers, je te le ping et tu travers. Okay. C'est bien ça, c'est bien ça. Il est là, il est à gauche, il est complètement à gauche. Allez, le kill là. Bim, dans ta gueule, c'est Mary. Il a bougé. Je suis repéré. Allez, c'est ça, va lui mettre la tête, va lui mettre la tête, c'est ça. C'est propre ça, bien joué. Je l'ai eu. Par contre, je suis tout seul. Allez, tout de suite, on reparle, on est plus que 3. C'est quoi, status? Sur site ou alors ils sont en bas. Tout sur 6 ou en bas. On laisse un drone assez. Mais c'est électrifié. Hein. Là, tout de suite, dès qu'il y a des mecs morts, on compense le fait que les mecs soient morts par un drone. Et on lui dit, prends ce drone. C'est d'aller percer sur l'autre site. Ça, c'est bon. Ah ouais, ça, c'est le bon truc. Tu perds des gars, c'est pas grave dans Rainbow Six. Tu mets un drone et tu lui dis de prendre le truc. C'est tout. On n'a pas besoin de 5 joueurs en fait. On peut très bien gagner en 3, un mec avec 5 drones en fait. Pas la porte, si les mecs font de la merde, enfin, c'est si tu les vas one by one. Clear le bac ou pas? Je m'avance dans le coup. L'information est plus forte que. Passe là-bas, essaye de passer. Putain, drone déco. Le bâtard. Je vais faire une pression par le VIP. N'insultez pas les drones déco, ils ne vous ont rien fait. Non, mais c'est pas en faux là, je vais faire travers. Oh putain, mais sûr, voilà, c'est bien sûr. Oh, mais il est derrière dans le couloir. Ah, bronze, vous avez vu. Oh, le décalage. Bon, maman. Bien joué. Ah, mais derrière 57 secondes et on n'a pas breaché. On n'a pas breaché et ça, c'est la merde. C'est une lésion là. Allez, attends, il t'en a mis une sur le diffuseur, tu vas être content. Regarde, le cadeau. J'ai pété un drone déco. Bon, le thermite, vous pouvez noter. Hein. C'est parti. Ouais, tranquille, ça sert plus à rien là. 37 secondes, faut avoir une logique de push ensemble parce qu'il y a 3 personnes dont un écho à gérer. Donc, c'est horrible. On avance dans le guitar. Allez, 28 secondes. Et ça va être encore une fois que ça va faire 15 secondes. Ah zut, il y a un compteur en bas. Il y a un compteur en haut. Allez, ça c'est. Vous avez vu le lésion dans le diffuseur, c'est le truc le plus horrible. Faites-le tout le temps, les mecs. Conseil. Tout le temps. Lésion dans le diffuseur. Oula, ça part un peu haut là. On part un peu haut. Non, je crois que je l'ai mis à terre, il ira. Plus bas. Tu vois, sur site. Un petit peu de beurre, ça allait dans les yeux. Au dernier moment, on a un écho et un smoke à gérer. Je l'avais mis. Il va rien se passer. Et il est atroce, c'est sûr. 30 secondes de la fin, on push. Le pire personnage du jeu. Faites à 30 secondes ce que vous allez faire à 15 en fait. C'est aussi simple que ça. Hein, quitte à faire de la merde à 15 secondes, faites-le à 30, vous verrez, vous allez mieux réussir. C'est un très bon conseil, vraiment. 13,5, ouais, voilà, c'est la note que j'ai mis moi aussi. 13,5, c'est ce que j'ai mis. Trop longtemps. Putain, je la joue jamais, Alibi. Faudrait que je la joue. En plus, vu que c'est une Valkyrie-like, son arme. Je pense que je mettrais des trucs de ouf avec. Mais en fait, je sais pas trop jouer les prismas de façon intelligente. En fait, j'ai l'impression que personne sait vraiment jouer les prismas de façon intelligente, quoi. Je pense que les gens prennent Alibi parce que ça les fait marrer en fait. Ah, c'est Alibi. Il y a des cours privés dans la Salty Academy? Oui, c'est le Teach Me, ça s'appelle. Et ça, il faut faire point d'exclamation T-I-P-E-E-E. Mais attention, il y a 3 mois d'attente. Bon, je préfère prévenir, on n'est pas des salauds quand même. Et d'ailleurs, il y a un nouveau truc qu'on vient de mettre sur Tipeee pour hier. Parce qu'il y avait pas mal de monde qui nous disait que le journal de la...
a pas mal son arme en fait, je vais peut-être la prendre. Rappelez-le-moi la prochaine fois que je pars sur Rainbow Six, s'il vous plaît, de prendre la Libye, j'ai envie de jouer à la Libye. Et du coup, alors, il y avait pas mal de gens qui nous ont dit que le journal de l'académie ne servait pas, donc on l'a changé, et on a enlevé, et pour toutes les personnes qui ont été très sympathiques avec nous et qui nous font des dons de 20€, parce qu'il y en a beaucoup, ces derniers temps, et via Tipeee, bah, on s'est dit qu'on ne peut pas accepter des dons de aussi généreux sans rien faire, et donc maintenant on fait une analyse vidéo, et c'est moi qui l'a fait. Donc vous m'envoyez une vidéo de votre prac, de votre machin, et moi je vous en fais l'analyse. Alors pas une vidéo en 6 parties de 3 heures, hein, c'est pas une série HBO que je vous demande de m'envoyer, juste une prac, une ranked, et je vous fais une analyse, voilà, pour vous filer un coup de main. Alors il est possible que je vous envoie juste, c'est nul, tu vois, ça t'a coûté 20 balles. Hein, c'est... Non, je plaisante, c'est bon. C'est... Oh, ça déroule, hein. Pff, que tu je te dise, là c'est fini. Ah! Peut-être pas. Est-ce que Valide va réussir le coup? Ah, le petit coup de cut toujours pour tuer les mouches qu'il y a dans le bar. Ça, c'est une analyse. Ouais, grave. Oh, 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 la grenade mal envoyée. Il aurait pu faire un double kill. Dommage, dommage. GG? Pourquoi GG? Ah, 6-4, putain, je pensais que ça allait faire 5-5. Bon, voilà, bah 10, en plus on a vu tout le monde. Bois, on a mis combien? Il avait pris qui, Bois? Il avait pris Alibi. Ouais, Alibi, rien que pour la tête. Juste pour le headshot. Non mais fermez vos gueules, déjà quand je parle, vous vous taisez. Ça c'est le truc, déjà, qu'est-ce qui rigole là? Un abruti je pense. Qui est-ce qui rigole? Ce mec qui a un rire comme ça déjà, c'est le genre de mec qui renforce entre A et B sur Theme Park quoi.